transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo qui portera sur l'univers de la saga Soul Calibur. Avec le sixième volet de la série à l'horizon et l'intention de faire un soft reboot par Namco, il me semblait intéressant de permettre une réintroduction à la franchise pour le public passionné et les jeunes joueurs. C'est pourquoi je vous propose cette vidéo qui traitera de Soul Blade, prélude de Soul Calibur 1er et 6ème du nom. Pour cela, je serai accompagné de Apocadadis. Bonjour à toutes et à tous. En effet, la vidéo traitera d'abord de l'histoire et sera ensuite suivie d'une analyse thématique, plus ou moins longue, du contenu du jeu. Coupons court à l'introduction et ouvrons sans plus attendre la première page de l'histoire d'Âme et d'Épée qui vit le jour en 1996. Si la plupart des jeux de combat ont une tendance à dépeindre une époque contemporaine, ou un monde totalement déconnecté de la réalité, Soul Blade prend le parti d'un récit historique se déroulant au XVIe siècle. Cette caractéristique culturelle a déjà de quoi séduire, mais deux éléments viennent compléter le tableau. Le premier, le caractère éclectique du casting qui s'étend de l'Europe jusqu'au Japon, et le second, le fait de donner corps au mythe de toutes les cultures. Ainsi, notre monde du XVIe siècle s'en trouve dynamisé par des éléments fantastiques issus des légendes allant des dieux grecs jusqu'aux yokai. Mais il y a une chose qui n'est fait mention dans aucun livre d'histoire qu'aucun mythe ne rapporte, l'histoire d'une épée qui rendrait son porteur invincible, une arme perçue comme le salut dans un monde en guerre dénommé Soul Edge. Au milieu du XVIe siècle, en Italie, vit un homme du nom de Verci, un marchand d'armes puissant et respecté à travers l'Europe, dont la réputation lui donna le surnom de marchand de mort. Cupide qu'il était, il n'avait qu'une seule obsession: développer sa richesse et sa collection d'armes rares. Inévitablement, la rumeur d'une épée redoutable appelée Soul Edge finit par lui parvenir. La passion morbide du marchand le poussa à solliciter l'aide d'un pirate sans scrupules et redouté au travers des quatre coins des mers, Cervantes de León. Le pirate, d'abord réticent, accepta la requête pour retrouver l'arme que le marchand convoitait tant. Tel fut le marché qu'il a passé, et tel fut le marché qu'il ne respectera pas. C'est au bord d'un navire anglais, après avoir décimé équipage, femmes et enfants, qu'il trouva son butin. Seul, un jeune garçon, protégé par ses parents, survit au massacre et partit à la dérive. Le corsaire espagnol eut alors le choix: ramener l'arme à Verci ou la garder pour lui. S'il existait une parcelle de bonté dans le cœur du pirate, alors elle disparut au moment où il se décida à empoigner l'épée. Le marchand de mort ne posera jamais les yeux sur Soul Edge. Sa paranoïa le poussera même à fuir l'Italie en guerre, persuadé que ses richesses seraient prises pour cible. C'est avec elle et son garde du corps qu'il périt au milieu de nulle part. Quant au pirate, il consuma son propre équipage et fit régner la terreur sur les mers, glorifiant la légende de l'épée du salut qui prit la forme de deux lames pour convenir à son porteur. Plus d'une vingtaine d'années passèrent et la réputation de Soul Edge n'a fait que gagner en popularité, à tel point que plusieurs guerriers du monde entier en ont entendu parler et se sont mis à sa recherche. Bien que beaucoup la cherchaient par soif de pouvoir, afin d'assouvir une vengeance, de défendre leur pays, ou par besoin de se sentir exister, certaines personnes ont conscience de la nature maléfique de l'épée et la nécessité de la voir disparaître du monde. Parmi ces personnes, deux femmes, Soufitia, guerrière et prêtresse au service d'Héphaïstos, et Taki, une chasseuse de démons du Japon qui redoutait les répercussions néfastes d'une telle énergie maléfique. La jeune Athénienne ne fut pas la plus experte des guerrières, mais pure et déterminée, elle accepta l'appel de son dieu pour retrouver Soul Edge et la détruire. Elle remonta la piste du pirate jusqu'en Espagne, au port de Valence. Chargée de courage et munie d'armes forgées par les dieux, c'est alors qu'elle le défia avant que ce dernier mette à mort un énième guerrier convoitant Soul Edge. Le combat ne fut pas des plus équitables. Cervantes était trop expérimentée et trop brutale, mais bien que sur le point d'être vaincue, la jeune femme mit toutes ses forces dans un assaut final, tel qu'elle éclata l'une des lames de Soul Edge en plusieurs fragments, dont un qui ne manquera pas de se loger dans son corps.
Le corsaire se mit alors dans une rage folle, sur le point d'achever la guerrière blessée, seule l'intervention in extremis de Taki l'en empêcha. La ninja était beaucoup plus dangereuse et experte dans ce genre de situation, entraînée depuis son plus jeune âge à l'art du combat, et à plus forte raison contre des monstres sanguinaires tels que son adversaire. Celle-ci parvint à tenir tête au pirate jusqu'à lui porter un coup fatal. Le pirate se mit alors à hurler de douleur et de colère. Son corps muta pour prendre la forme de ce qui semble être un véritable démon, perdant tout trait humain pour ne former qu'un squelette englouti par un tourbillon de flammes. Taki s'empressa de fuir en sauvant la jeune Athénienne au passage, laissant derrière elle son adversaire dépérir dans les flammes qu'il avait lui-même engendrées. On pourrait croire que l'histoire se terminait là. Mais c'est alors qu'intervint un jeune homme à l'épée énorme, trop énorme pour n'être qu'une simple épée. Un mercenaire allemand, du nom de Siegfried Stoffen. Le jeune homme, au tempérament rebelle et arrogant, brava les flammes et saisit l'opportunité qui s'offrait à lui pour empaler la carcasse possédée du pirate qui tenta en vain de se défendre. Le cadavre du pirate allongé, le lieu consumé, la tempête passée, il ne restait plus que le jeune homme et une lame plantée au sol. Comme tout le monde l'a remarqué, le titre du premier volet de la saga Soul Calibur n'est pas éponyme de sa franchise. Non, ici, le point de départ tourne autour de Soul Edge, comme élément qui pousse tous les personnages au mouvement. C'est un rôle que l'épée conservera même dans les opus qui suivront. Sa nature maléfique et corruptible, qui peut être perçue comme salutaire, n'est pas sans nous rappeler un célèbre artefact de la littérature fantasy. Mais en rétrospective, le titre illustre aussi la nature sombre de l'histoire. Ici, le salut ne peut pas être possible par l'arme. C'est avec ce genre de thématique chère à Dark Fantasy que le jeu est devenu précurseur dans le monde vidéoludique. Ici, nous ne sommes pas dans un monde où le mal peut être vaincu car il est l'essence même de ce qui le régit, un monde en guerre où la peur et la violence règnent. Un monde en bouleversement constant et où une arme blanche est le symbole parfait pour toute personne voulant changer le cours de l'histoire en sa faveur. Soul Edge devient alors la quintessence de tous les travers humains, des travers qui ne peuvent être en aucun cas salutaires. Ainsi, la seule façon pour un personnage d'avoir une fin satisfaisante est de tourner le dos à sa quête pour se concentrer sur ce qui compte, la confiance en soi ou la famille. Mais une opposition à cette force maléfique viendra en temps voulu. D'ailleurs, en parlant de fin, il y a une mécanique caractéristique de Soul Blade qui fait que chaque personnage se voit proposer une fin différente en fonction du joueur, s'il réussit ou non une QTE. Cette fonction sera reprise dans le troisième volet de Soul Calibur en plus édulcoré. Je dis plus édulcoré car ici, la règle générale est que si vous ne réussissez pas la QTE, votre personnage aura une mauvaise fin, clairement pessimiste. La plupart des héros échoueront dans leur quête, mourront ou se retrouveront corrompus. C'est bien une de ces mauvaises fins, celle de Siegfried, qui s'avérera être canonique dans le lore, avec des conséquences qui dureront tout le long de la série. Pour paraphraser très librement cette citation du critique Michael Dirka, les meilleures histoires de fantasy sont celles qui mettent de côté les clichés du genre, et c'est la façon dont elles sont le miroir de notre société qui en font tout l'intérêt. En ceci réside sûrement la clé du succès de franchises comme Le Seigneur des Anneaux ou Le Trône de Fer. Et cela est tout aussi valable pour Soul Calibur, ancré dans une période historique avec des thématiques ô combien proches de nous malgré l'époque, comme par exemple l'histoire d'un homme refusant d'accepter les conséquences de ses actes, celle d'un samouraï n'acceptant pas que son époque soit révolue, ou d'un père qui doit choisir entre son objectif ou sa famille. Tous ces conflits sont capables de nous investir émotionnellement, et il était rare pour l'époque d'avoir un jeu de combat permettant une telle profondeur narrative. Explorer le jeu avec ses personnages nous met en contact avec un univers cruel où chacun est susceptible de devenir l'ennemi, même en croyant être le héros de son histoire. Toute bonne intention peut alors mener à la dégénérescence si elle passe par un mauvais moyen. Encore aujourd'hui, en regardant son grand frère, il est difficile de se dire que la même compagnie a pondu ces deux jeux tant ils n'ont rien à voir en termes d'ambiance et de profondeur. Ironiquement, si on replace dans le contexte que c'est un jeu japonais dans les années 90, les personnages qui s'en tirent le mieux sont les personnages féminins. Les trois combattantes ont beau être sous l'égide d'un homme, chacune a un rapport différent avec celui-ci qui permet de les caractériser.
avec Sangmina, dépeinte comme une guerrière compétente, et qui cherche à se rebeller face à son père et une société qui l'empêche de défendre son pays. Sophitia, une guerrière dévouée à Héphaïstos, qui suit la direction de son dieu par conviction et foi. Et enfin Taki, une femme loyale mais indépendante, n'hésitant pas à prendre l'initiative de traquer Souledge pour protéger son maître de l'influence de l'épée. Avoir des personnages féminins forts dans un jeu de combat n'a rien d'insolite en soi, mais que cela puisse se percevoir dans la narration est extrêmement rare. Contrairement à ce que l'image de la franchise a tendance à être aux yeux du grand public, elles ne sont pas de simples mannequins pour le plaisir visuel du joueur masculin. Elles incarnent une force de caractère qui, en 96, n'était pas la norme. Cervantes, après tout, est vaincue par deux femmes. Elles sont les seuls personnages à ne pas être corrompus ou à rechercher l'épée par intérêt. Une forme de pureté, de sagesse. Quoi qu'il en soit, à son époque, ce genre d'histoire était un phénomène rare et appréciable. Le début de l'épopée est souvent le plus oublié, voire même sous-estimé. Cela à cause de son ancienneté, de sa direction vocale pas toujours au top, ou alors parce que ce n'était qu'une ébauche en termes de gameplay. Cependant, ce serait une erreur de dédaigner ce volet à cause de ça. Car cet opus a su avec brio poser les règles de son monde, le caractère tragique intrinsèquement lié à l'ADN de l'histoire de nos héros. S'il y a un thème principal à ressortir de la franchise, ce serait certainement la quête de rédemption, et toute rédemption se doit d'avoir un lourd passé. C'est celui-ci qui est illustré par Soulblade. Étant donné que c'est un nouveau genre de vidéo sur ma chaîne, si elle vous a plu et que vous aimeriez que je fasse la suite, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires et laisser un petit pouce bleu. Vous pourrez aussi trouver des contenus similaires sur la chaîne d'Apocadalis. N'hésitez pas aussi à partager ou à vous abonner, je vais sûrement faire des lives où je jouerai aux anciens Soulblade dont Soulblade. Suivez ma chaîne Twitch pour être averti. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Et j'espère vous retrouver sur ma chaîne pour la suite des aventures de Soul Calibur.